Kenneth Schuurmans, hoe kijk je terug op deze 0-0-wedstrijd tegen Union? Oh, ik denk dat het voor ons een heel moeilijke eerste helft was. Ik denk dat we veel balverlies, dom balverlies. En ik denk dat we de vrije mannen niet goed vonden. Na de rust was iets beter, maar dan komen we na een kwartier in de tweede helft met 10 man te staan. Ja, dan weten we dat het een beetje overleven is en proberen die momenten te pakken, wat we toch zeker wel gehad hebben. Dus met al bij al denk ik dat we tot bij de nul hebben gehouden, dus dat is positief. Jij was een van de vaste basisspelers die ook nu speelde. Was dat op eigen verzoek? Goh, ja, nee, ik denk dat de trainer me de keuze had gegeven. Als ik wou spelen, ja of nee. En, ja, ik heb gekozen voor te spelen. Dus, Wil je een record? Want jij hebt tot nu toe als enige veldspeler alle minuten al gespeeld in dit seizoen. Ja, dat is iets wat mooi meegenomen is, maar daar kijk ik niet echt naar. Ik wil gewoon... Ik denk dat ik fysiek wel in orde ben en ik speel graag matchen. Dus ik speel liever deze match van vandaag dan misschien op de bank of op de tribune te zitten. En volgende vrijdag alweer een match? Ja, ze volgen elkaar kort op, maar dat is plezant. Beerschot, wat verwacht je? Het is een hele belangrijke, denk ik. Ja, sowieso. Ik denk dat Beerschot zeker niet mag verliezen, want dan gaat het heel moeilijk voor hen worden. Maar we gaan daar voor de 3 punten. En, ik denk dat als we die kunnen pakken daar, dan zullen we weer een heel grote stap zetten richting die tweede periode. Laurent Kinès, ce soir, si vous prenez un point à domicile, c'est en grande partie grâce à vous, avec ces arrêts déterminants que vous avez sortis face aux attaquants de l'Union Saint-Gilloise. Voilà, satisfait, j'imagine, du point. Oui, satisfait du point, surtout quand on voit le match. On sait que l'Union est une belle équipe et donc quand on était à 10 contre 11, c'était plus compliqué pour nous. Donc on a bien joué en bloc, on a essayé de partir en contre quelques fois, on aurait pu marquer en contre. Donc un point c'est bien, on aurait pu en prendre 3, mais c'est une belle performance collective et on doit prendre ça avec pour vendredi. Vous, à titre personnel, c'est aussi une soirée très réussie hein, avec cette clean sheet et ces arrêts déterminants et très remarqués. Oui, bien sûr. Mais quand on donne du temps de jeu, ça fait toujours du bien de pouvoir se montrer un peu. Donc le coach a décidé de faire confiance à certains joueurs qui ne jouaient pas trop les semaines dernières. Donc moi, j'avais à cœur de montrer aujourd'hui et de faire un bon match aussi pour l'équipe parce que c'était important au classement général de prendre aussi les points pour nous. Mais voilà, je pense qu'au-delà de ça, un point, on peut être content. Surtout dans des conditions difficiles, avec votre coéquipier réduit à 10, on sait que généralement ça densifie la présence de l'adversaire face au but, mais vous n'avez rien lâché. Oui, on n'a rien lâché, mais même à 11 contre 11, c'était pas facile tout le temps. Mais à 10, je pense qu'on a montré un peu plus de caractère. On est très soudés comme équipe, collectivement. On a déjà fait ça aussi au Beerschot au premier tour, à 10 contre 11. Donc voilà, c'est une belle performance, je pense que le coach est content. Et voilà, mais le match, on va vite récupérer pour le match de vendredi. Et vous lui posez des problèmes pour le poste de gardien? Oui, mais bon, ça c'est à lui de décider. On a 3 gardiens de qualité dans le groupe. Donc voilà, ici j'avais la chance de pouvoir me montrer. Maintenant, c'est à lui de prendre la décision pour les matchs qui restent. Et prochain match, non des moindres, hein, il y a peut-être un tournant qui s'opère ce week-end avec cet affrontement direct face au Beerschot. Oui, ça va être un gros match. On sait qu'au Beerschot, ici, c'est un concurrent direct pour la deuxième tranche. Donc si on peut aller gagner là-bas, je pense qu'on fait un gros pas à nous, pour les éliminer. Maintenant, on sait qu'eux aussi auront à cœur devant leurs supporters de faire une belle prestation. Mais nous, on est motivés. L'équipe est consciente qu'on peut faire quelque chose qui n'a jamais été fait en 1B, donc c'est-à-dire gagner les deux tranches. Donc c'est notre objectif et on va essayer de tout faire vendredi. Merci Laurent. Vince Evraar, wat heeft deze wedstrijd jou geleerd? Maar goed dat het 0-0 is gebleven, dat we een puntje erbij hebben in de algemene klassering. En individuele beoordelingen van de coach voor de spelers die een kans hebben gekregen vandaag? Ja goed, ik heb toch wel een aantal lichtpunten gezien. Hè. Laurent Hockinet die na lange tijd terug in doel komt en een zeer opmerkelijke wedstrijd heeft gespeeld. Zeer goede wedstrijd ook. Kenneth Schuurman zoals elke week weer heel betrouwbaar. En dan jonge Toon Ruimakers bijvoorbeeld die zich toch heel goed overeind heeft gehouden vandaag. Ja, maar van die andere jonkie, Gaye, die zich laat uitsluiten? Ja, laat uitsluiten weet ik niet. Ik vond het, zeker de eerste gele kaart vond ik heel streng. De tweede was misschien terecht. Ik heb de beelden nog niet teruggezien. Jammer voor hem, maar goed, dat is een leermoment en daar kan hij alleen maar beter van worden. Kijk, dat was ook uit de ploeg verdwenen. Vooral in de tweede helft vond ik dat hij zijn statement wel maakte. Nee, absoluut. Maar hij is uiteindelijk met een lichte blessure of wat krampen uitgevallen. Dus, maar goed, Abou kennen we, heeft kwaliteiten genoeg. Dan ons maar concentreren op wat echt belangrijk is. Dat is namelijk de volgende wedstrijd in en tegen Beerschot.
Nee, dat klopt. We moeten nu heel snel de knop omdraaien. En zoals je zegt, het is money time nu. Er resteren nog 3 wedstrijden in de tweede periode. En wij gaan volop voor de periodewinst.